suis dit que si j'avais à faire parler de littérature ou de peinture ou de musique, ce ne serait pas avec des professeurs, j'ai rien contre les professeurs, mais ce n'est pas par des professeurs ou pas par des conférenciers, mais par des artistes qui sont amenés à vivre complètement ces différentes expériences. Et c'est donc ce que je vous propose ce soir, c'est dans le cadre de l'atelier littérature, une petite escapade du côté de la peinture, en espérant qu'un jour, pour ceux qui travaillent avec moi, il y aura des croisements qui s'opéreront. Ici, on passe à l'extraordinaire Turner. Alors, ce Turner, on n'en a qu'un, il est au Louvre. Alors, je ne sais pas si vous voyez le bond que fait Turner dans ce qu'il en est d'une aptitude à capter l'espace dans son immensité, la grandeur de l'expression et des rapports, qui passe évidemment par une simplification exceptionnelle. Hein. Mais enfin, Turner est unique. Hein. Je dirais même que les Claude Monet et autres qui sont les impressionnistes qui sont allés le voir à Londres en pèlerinage littéralement, bien de ces peintres ne sont pas arrivés à cette extraordinaire grandeur dans l'expression. Si on regarde une description, on va se dire qu'on est à peu près d'accord, parce qu'on connaît bien là-bas le clocher, le chariot qui passe, et que le romancier a bien décrit ça. C'est une chose. Mais on peut aussi regarder et lire cet extrait, comme Jean-Louis a fait par rapport à la peinture, vous êtes le petit doigt qui montre les choses. C'est que, par exemple, suivre le chemin du rythme dans le texte. Et en fait, on n'est plus extrêmement concerné par le fait de savoir si ça ressemble bien, si l'écriture dit bien comment c'est dans la réalité, on est là pour ressentir comment un certain nombre de choses se déplacent. Parce que par exemple, quand on passe devant le clocher de Montainville dans Proust, on aurait dû dire ça quand même, tout simplement. Hein, c'est ce qu'on dit un certain nombre de contemporains. On aurait dû quand même être... Pourquoi mettre une phrase de 14 lignes alors que trois sujets verbes compléments seraient suffis? Ah oui, ça aurait suffi, sauf que il y a tout ce qui est derrière, tout ce qui est rythmique, il y a toutes les sensations que ça fait vivre en nous.